Salut tout le monde, c'est Magby. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui devant l'ordinateur pour une vidéo compo. Je vous l'avais dit, 2020, ça sera l'année de la compo. Cette année, on axe beaucoup les vidéos sur la composition. Et je vais pas vous mentir, si j'ai très envie de faire des vidéos compo challenge. En fait, en ayant fait le bootleg de Ne reviens pas, je me suis dit, putain, en fait, c'est vrai que c'est trop la balle de faire ça, toi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai demandé sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous aimeriez que je relève comme défi, comme challenge. Vous avez été nombreux à répondre. Il y en a un qui a attiré pas mal mon attention. Sur Facebook, c'est François qui a proposé de faire un remix de Dance Monkey. Dance Monkey, si vous connaissez pas, c'est la musique qui fait Dance Monkey, Dance Monkey, Dance Monkey. Vous voyez, hein, la musique qu'on entend vers tout le temps, hein, voilà. Je check en amont, parce qu'avant de faire la vidéo, je regarde quand même en amont si je me sens chaud ou pas. Je regarde pour le hardstyle, pas du tout chaud du tout, hein, voilà, ça m'a saoulé. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir sur un bootleg. Le challenge, ça va être de faire un bootleg. Et pour dire de vraiment sortir de sa zone à mort, je vais faire un bootleg, je pense, dans les tons raw style, voilà. Donc en gros, ça va être Dance Monkey, monter du Dance Monkey, et on tue le Dance Monkey, tu vois. Dance Monkey. Bon, on va voir s'il arrive encore à danser après ça, le singe, c'est moi qui te le dis. Sans plus attendre, je vous invite d'ores et déjà à charbonner les pouces bleus si vous aimez les vidéos composition. N'hésitez pas à écrire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je remixe, quel challenge aimeriez-vous que je relève. Et on y va, c'est l'heure. Ce qu'on va faire, je pense, déjà dans un premier temps, c'est pitcher un petit peu le morceau. C'est un oui. Ouais, lourd ça. Je vais directement passer au drop ici. Je vais pas me faire yesh. Pour ça, on va déjà se pécho un kick sympa en mode destruction. Parce que je vous rappelle que le but c'est de détruire le singe, hein, on va pas se mentir. Parce qu'il arrête pas de danser, il danse comme une merde le singe. Je vais bidouiller 2-3 kick-roll et là je pense que je vais mettre un passage avancé parce que ça va être un petit peu long. Avant le climax, j'ai envie d'essayer de mettre un Dance Monkey. Et ce qu'on va faire, c'est, je vais innover, je l'ai jamais fait, c'est que je vais l'enregistrer sur le dictaphone de l'iPhone et je vais l'envoyer en airdrop sur l'iMac et on va voir un peu ce que ça fait. On teste des choses, c'est incroyable. Dance Monkey. Dance Monkey. Là, il nous faudrait un petit scratch sympa. Les amis, on se retrouve, bon, après un petit moment quand même, là, ça fait un moment, même si au montage, ça va toujours très très vite, hein, la magie du montage. Donc là, ce qui va nous manquer pour le drop, il va y avoir des FX, crash, mais pour l'instant, je laisse de côté, je vais revenir au build-up. Ok, on va rajouter un petit snare à un autre là, un peu plus folichon. Bon les amis, voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, il y a encore pas mal de choses à travailler, notamment dans la structure, dans le mixage, le mastering, etc. Mais là franchement, je pense qu'on a déjà une bonne base et je pense avoir relevé le challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à charbonner un maximum les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je termine ce bootleg, mais genre véritablement avec une construction complète, charbonnez un maximum les pouces bleus les amis. Et je vous invite aussi à mettre un commentaire avec le hashtag termine là. Je ferai une version extended pour les DJ, je ferai ce qu'il faut et je vous donnerai ça pour kiffer, pour vous enjoyer au maximum. Je vous laisse tout de suite avec l'extrait du bootleg. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à plus dans le bide. Ciao.